Bonjour, nous sommes en direct Facebook Live. Je suis Femel. Derrière la caméra, c'est Josefa Lopez. À côté de moi, c'est l'architecte en chef des monuments historiques, Philippe Villeneuve. Et nous sommes sur un monument qui est le plus visité de France. Est-ce que vous avez deviné où nous sommes avec cette vue? Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, on est en plein cœur de Paris? Vous êtes en plein cœur de la capitale, de Lutèce au départ, et donc de Paris. Et vous êtes sur les toits, enfin oui, sur les parties hautes de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors là, on voit le parvis. Alors là, on voit le résultat de l'époustage du 19e siècle avec le baron Haussmann, où on a enlevé toute la partie gauche où il y avait un hôtel Dieu, ce qui était bien pratique parce qu'il y avait la Seine de ce côté-là, donc on pouvait jeter les pansements, les viscères, toutes ces choses-là, les bras qu'on amputait, ça partait dans la Seine. Et il y avait également dans un endroit un hôpital, enfin quelque chose qui était là pour recueillir les enfants trouvés. Et puis ensuite, on voit, il y avait une petite chapelle, il y avait des maisons, etc. Et alors, en fait, il faut imaginer qu'on accédait à Notre-Dame par la petite bande que vous avez au centre, là, qui est en pavé un petit peu plus sombre, bordée de chaque côté par des pierres blanches. Ça, c'est la rue qu'on a percée spécialement sur l'île de la Cité, aux alentours de 1160, pour justement permettre d'approvisionner le chantier de la nouvelle cathédrale de Paris. Il faut imaginer que des gens vivaient vraiment au pied de la cathédrale. On n'avait pas cette vue, il n'y avait pas de parvis à l'époque. Tout à fait. C'était vraiment un enchevêtrement du ruelle, de rue. Il y avait je ne sais pas combien d'églises sur Paris, sur l'île de la Cité. Et du coup, l'impression qu'on a aujourd'hui de cette façade gigantesque déjà, en fait, n'est rien par rapport à ce que devait éprouver le petit bonhomme au Moyen-Âge qui était au pied de cette cathédrale et qui débouchait de cette petite rue étroite et qui arrivait seulement là, découvrait la totalité de la façade. Donc là, on se la prend comme un presse-papier posé sur une place, ce qui n'est pas du tout la manière dont l'édifice a été conçu au départ. Alors quand on marche sur le parvis, on ne se rend pas compte de ce tracé. Maintenant, vous pourrez faire attention. On voit très bien donc, l'ancienne ville, voilà, cette ancienne rue. Elle avait un nom, cette rue ? Ça, c'est la rue Neuve Notre-Dame, justement, elle est neuve pour la cathédrale Notre-Dame. Parce qu'avant la cathédrale Notre-Dame, il y avait une cathédrale Saint-Étienne et une cathédrale Notre-Dame. Il y avait deux cathédrales que la nouvelle a finalement regroupées. Alors Notre-Dame de Paris a 854 ans cette année. Ben oui, 1163, on posait la première pierre de la cathédrale. Donc on a fêté les 850 ans il y a donc 4 ans. En 2013. Et en 2013, à cette occasion, on a doté, et je pense qu'on aura peut-être un peu de chance, si vous êtes patient pendant à peu près 2-3 minutes encore, vous allez entendre les nouvelles cloches qui ont été installées dans la tour qui est ici, là, donc la tour nord, qui sonne les quarts d'heure, les demi-heures, les trois quarts et l'heure. Et puis ça, c'est nouveau, puisque avant, on avait 4 petites cloches qui dataient de Viollet-le-Duc, qui était un peu fausse, donc c'est pas tout à fait une perte. Et là, on a maintenant un magnifique carillon avec 8 cloches qui donnent donc les 8 notes de la gamme. Donc des mélodies sont sonnées là-haut. On précise, le carillon sonne toutes les heures? Alors, il donne les heures toutes les heures, mais tous les quarts d'heure sont marqués par 3 notes, puis ensuite 6, puis ensuite 9 et ensuite 12. Et on obtient comme ça, on fait le tour du cadran. Là, vous allez entendre les 12 notes de la mélodie suivies des, je sais pas quelle heure il est, des 4 coups de 16 heures. Une cloche, combien il y en a ? Alors, je vous précise tout de suite que vous pouvez évidemment poser toutes vos questions. L'architecte en chef des monuments historiques, Philippe Villeneuve, y répondra. Nous sommes dans ce bâtiment Notre-Dame. Et c'est assez exceptionnel, on a accès à des zones que le public ne peut jamais voir. Bon, là, vous voyez, déjà, nous sommes sur une terrasse, sur le toit. Alors là, on est sur une terrasse qui est située entre les deux tours. C'est-à-dire que quand on regarde la façade, quand on est en bas, vous avez les deux tours de la cathédrale qui sont reliées par une galerie avec des colonnades. Donc là, on est dans cette galerie à colonnades. Et cette galerie, elle a une particularité, c'est qu'elle est surmontée au-dessus par un bestiaire qui a été inventé, alors qui a été restitué par Viollet-le-Duc. Alors je dis inventé et restitué, c'est-à-dire que sur certaines gravures, on voit qu'il y avait au-dessus
au-dessus de la balustrade des espèces de petites choses indéfinies. Et Viollet-le-Duc les a transformées en petits monstres qu'il y a partout. Vous avez là un alchimiste, vous avez des éléphants avec des griffes, vous avez un chien avec des pattes d'ours, vous avez des choses complètement folles. C'est donc la galerie des chimères. Et il y en a quelques-unes qui sont très 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 célèbres et qui même caractérisent la cathédrale. Donc vous avez une espèce de penseur qui est comme ça, qui s'accoude à la balustrade et qui regarde Paris. Celle-là, elle est mondialement connue. On les voit jamais d'en bas. Alors on les devine d'en bas, vous voyez, il y en a qui sont là, il y en a une ici, celle-ci est assez connue aussi. Et puis là, vous en avez donc à chaque sommet, à chaque angle de balustrade, Viollet-le-Duc a dessiné ce fameux bestiaire. Et là, on est donc, si on veut reprendre l'histoire de la cathédrale, vous savez qu'elle était dans un très très piteux état avant le 1840, puisque bon, il y a eu la Révolution qui est passée par là. Et puis le gothique, c'était vraiment une architecture qu'on considérait comme vraiment inintéressante, à tel point que des intellectuels, et pas des moindres, dont justement Victor Hugo, s'en sont émus et ont écrit le roman Notre-Dame. Et c'est par, en fait, cette publicité faite sur la cathédrale au travers de ce roman-là que le gouvernement de Louis-Philippe a décrété d'allouer une somme d'argent pour la cathédrale. Il y a eu un concours. On verra d'ailleurs à l'intérieur. Et Viollet-le-Duc a eu ce concours. Oui, on verra à l'intérieur des parties complètement, on voit, il y a des choses, ou même ici, complètement transformées suite à ce roman de Victor Hugo. C'est quand même par incroyable. Par Viollet-le-Duc, voilà, oui. Bah déjà, déjà, vous commencez par la flèche est le résultat de ça, parce que la flèche est une création du 19e siècle, mais elle remplace une flèche qui existait au 13e siècle et qui a été abattue au moment de la Révolution, mais pas par les révolutionnaires pour casser le symbole que ça pouvait représenter, simplement parce qu'elle se cassait justement la figure, elle risquait de s'écraser. Donc par prudence, on l'a déposée. Donc faut pas... Et là maintenant, vous allez avoir les carreaux. Pas du tout prémédité, mais vous voyez... Il est donc 4 heures pile. Alors, nous avons une première question. On nous demande, on voit que la surface est trouée. Alors, c'est parce que le bassin parisien... alors, je ne peux pas vous dire à quelle époque, mais en tout cas, c'est terriblement lointain. C'était une mer. Donc, les sédiments se sont déposés lentement, se sont tassés, comprimés, etc. C'est ce qui a donné naissance à la pierre de Lutèce. Et donc, quand on regarde bien, bah, vous avez des tas de petites inclusions, de fossiles, de petits coquillages qui attestent que, en fait, bah, la pierre qui est ici, c'est finalement du sable avec des petits animaux. Donc, on était bien sous la mer. Alors, autre question, quel est le poids d'une cloche ? Ah, alors ça peut changer de la petite clochette pour appeler les domestiques à table, donc 10-20 grammes, et puis ça peut arriver à atteindre à Notre-Dame de Paris 13 tonnes 250. On sait précisément que c'est 13 tonnes 250 parce qu'il y a quelques semaines, on a pesé le gros bourdon qui est dans la tour ici, la tour sud, qui est la plus ancienne cloche de la cathédrale, parce que toutes ont été fondues à la Révolution, à l'exception du bourdon, qui s'appelle Emmanuel, qui sonne en fa dièse, et qui est une des plus grosses de Paris. Et donc, vous voyez, ça peut partir, je dis en rigolant, mais ça peut peser 200 kilos jusqu'à 13 tonnes et quelques. D'accord. En bronze. Elles sont toutes en bronze. Oui. Alors, je vous propose de rentrer. On va rentrer. Donc là, vous allez pouvoir découvrir la charpente qui est faite de 1400 arbres. Oui, alors c'est ce qu'on dit. 1400, vous pouvez arrondir à 2000. Ah oui. C'est la raison pour laquelle on l'appelle la forêt. C'est-à-dire que c'est la charpente, on peut dire que quasiment deux tiers de la charpente de Notre-Dame appartiennent à l'édifice d'origine. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de problème de connexion, puisque nous sommes en 4G. Ni de lumière. Nous avons notre éclairage.
Donc là, on voit, c'est très sombre. Nous sommes sous le toit de la cathédrale Notre-Dame. Alors en fait, on est au-dessus des voûtes. Les voûtes de Notre-Dame culminent à 35 mètres, entre 33 et 35 mètres. Donc ce que vous voyez là, c'est le dessus de la voûte. Et vous êtes plus habitué à voir évidemment les voûtes vues du dessous. Donc on voit la forme des ogives. Et donc ces voûtes-là culminent à 35 mètres du sol. Au XIIIe siècle, 1250, alors que celles qui sont dans le chœur, elles datent de 1180 à peu près, puisqu'on a commencé la construction de la cathédrale, comme on le fait traditionnellement, en fait, du chevet, là où est le chœur, le sanctuaire, et puis ensuite on progressait jusque vers la façade ouest, qui elle, a été terminée en 1280, par là. Alors, il y a une messe actuellement, on entend qu'on est vraiment au-dessus. Oui, alors on est le vendredi, il y a l'adoration de la couronne d'épines, qui est une relique que Saint-Louis a ramenée d'Orient. Et en fait, il a ramené... La couronne d'épines du Christ. Qui est datée, alors le plus loin, c'est 4e siècle. A priori, ça serait en 33 après Jésus-Christ, si on peut dire. Mais donc, Saint-Louis a ramené de là-bas, il a ramené la couronne d'épines, des clous de la crucifixion, il a ramené un bout de croix, enfin, il a ramené toutes ces reliques-là. Et ces reliques-là, il les a d'abord déposées à la cathédrale, le temps de construire la Sainte-Chapelle qu'on voyait tout à l'heure quand on était sur la galerie. Et en fait, il a construit ce véritable reliquaire. La Sainte-Chapelle, c'est comme un reliquaire beaucoup plus grand. Et en fait, c'est une châsse de lumière avec tous les vitraux qui entourent. Et là, on est très loin de la conception de ce gothique-là, de la cathédrale, de la Sainte-Chapelle. On est très loin de la conception de la cathédrale Notre-Dame, qui, elle, est beaucoup plus massive parce qu'on est au tout début du gothique. Tandis que la Sainte-Chapelle, on est vraiment dans le pire de la crise, et après on va se lâcher, si on peut dire, dans le flamboyant, le gothique flamboyant qui s'appelle flamboyant parce qu'en fait les dessins, les réseaux ressemblent à des flammes, alors que avec la Sainte-Chapelle on est plus dans le rayonnant, alors c'est-à-dire ce sont plus des éléments qui rayonnent, quoi, qui à partir d'un cercle qui partent. Et en parlant de gothique, est-ce que la charpente est gothique? Est-ce qu'on peut déjà le voir à ce stade-là? Elle est médiévale, parce qu'une charpente gothique, ça n'a pas de sens. C'est plus... Elles ne sont pas différentes Si, alors au niveau conception, il y a une évolution dans les charpentes qui est assez marquée. Là, on est dans une charpente qu'on appelle à chevron formant ferme, c'est-à-dire qu'en fait, chaque élément, grosso modo, tous les 60 cm, c'est-à-dire grosso modo, tous les deux pieds. Un pied, ça faisait 33 cm. Et donc, tous les 60 cm, vous avez, on le voit sur le côté, là, on voit cette succession de chevrons, vous voyez, qui sont là. Et puis, vous avez des fermes maîtresses qui sont ici. Et donc, tout ça, ce sont des chevrons. Et vous avez différents niveaux d'entrée. Alors, ça, c'est des termes de charpente. Et là, vous avez plusieurs niveaux, comme ça, jusqu'au faîtage. Yeah. L'anecdote, enfin, qui est plus qu'une anecdote, c'est au départ, ces poutres sont très peu espacées. Ils n'ont pas osé les espacer autant qu'à l'arrivée. On verra plus. C'est pas du tout la même conception. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment la conception chevron formant ferme. C'est traditionnel. On l'utilise sur un très très large. Très large période. Et puis ensuite, il y a eu de moins en moins de bois. Donc on a pris des bois beaucoup plus gros, on a fait des sections beaucoup plus lourdes pour avoir moins à utiliser de bois. C'est le cas notamment du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et puis là, au XIXe siècle, on va complètement changer de système parce qu'on va simplifier les choses et puis on maîtrise un peu mieux les choses. Et on va voir que... C'est-à-dire que là, toute cette charpente-là est de l'époque de la cathédrale. C'est ce qui est formidable. Notre-Dame de la charpente qui est dessus date de la construction de la cathédrale. Ça, c'est valable pour la nef et c'est valable pour le chœur. Seuls les bras de transept, c'est-à-dire les bras qui traversent finalement la nef, ainsi que les premières travées de chaque côté et la flèche ont été construites par Viollet-le-Duc donc vers les années 1858, par là. Alors, sa construction s'est étalée dans un premier temps sur combien de siècles? La cathédrale, ça commence en 1163. Grosso modo, la façade, c'est 1280. Et puis ensuite, on a rajouté des chapelles tout autour. On a repoussé les transepts pour créer les grandes roses qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, après, il n'y a plus grand-chose. Ensuite, au XVIIIe siècle,
enfin, 17e et 18e siècle, Louis XIII a un fiston qui s'appelle Louis, Dieudonné, comme il a mis beaucoup de temps à arriver, ce chérubin, Louis XIII a fait un vœu, c'est-à-dire qu'en fait, il a confié la France à la Vierge. Donc ça s'appelle le vœu de Louis XIII. Et il a notamment promis de doter le chœur de Notre-Dame d'un nouvel autel, d'un nouveau décor, etc. Louis XIII meurt, Louis XIV règne très très longtemps, puis vers la fin de son règne, il se dit, bon, en fait, papa avait promis de faire ça à Notre-Dame. Donc il appelle Robert de Cotte qui va faire un nouveau décor dans le chœur de Notre-Dame, et ça va profondément marquer l'architecture intérieure du chœur, et à tel point que les piliers, chapiteaux gothiques, tout ça vont disparaître sur des plaquages de marbre très beaux, rouges et blancs, et des anges en bronze, des choses dorées, un pavage admirable et des stalles. Les stalles, on les a toujours. Le pavage admirable, on l'a toujours, bien qu'il y ait les armes du roi de France avec les fleurs de lys et tout ça. Les révolutionnaires ont dit non, c'est tellement beau, tellement bien fait que ça représente. Et là, on commence à voir la notion de patrimoine, et elle est née à cette époque-là, la notion de patrimoine. Se dire, mais ça représente quand même le travail du peuple, le travail des ouvriers, et ça fait partie de notre histoire, donc on garde. Et c'est la raison pour laquelle on a gardé et sauvé ce superbe pavage. Et puis les stalles, on les a gardées, mais Viollet-le-Duc ensuite à restaurer la cathédrale, et donc du coup bah il a fallu adapter tout ça. C'était pas vraiment ça fait un décor que moi personnellement je trouve pas complètement satisfaisant. Alors là vous avez une pièce qui est importante, parce que là on est en train de papoter, l'air de rien, on est dans la flèche de Viollet-le-Duc, c'est-à-dire qu'on est dans le cerveau de Viollet-le-Duc, si on peut dire, et ce bout de bois là c'est l'axe de la flèche. Alors faut savoir que ce bout de bois culmine à 96 mètres du sol. C'est-à-dire que la croix, là-haut, avec le coq, est à 96 mètres du sol du pavé de la cathédrale. Comme on est à 35-40 mètres, ben, du coup, c'est bon. Et là, vous avez la fameuse plaque qui raconte que l'architecte, c'est Viollet-le-Duc, que le charpentier, c'est Bulle, etc. Et donc, on retrouve ici les éléments des compagnons. Alors, Pouvani nous demande, c'était quoi l'impact de cette église sur les architectes quand elle a été construite ? Alors ça c'est une question vaste. Est-ce qu'elle a considérablement changé l'architecture de cette époque ? Oui, et en fait chaque cathédrale, chaque édifice comme ça est une progression. C'est pour ça que c'est assez facile en fait quand on s'y connaît un petit peu d'arriver à dater, parce que chaque cathédrale, chaque église même apportait quelque chose de nouveau à une technique. Parce qu'en fait faut savoir qu'ils étaient quand même très très culottés, osés. Lancer des voûtes qui font 12,50 m de portée, qui sont à 35 mètres du sol, avec des arcs-boutants. Nous, on a des ordinateurs, on a des bureaux de contrôle qui nous diraient surtout pas, faites pas ça, ça va tomber, parce qu'on a des principes de précaution qu'on applique partout. Là, ils y vont, ils ont dit, bon, on va mettre l'arc-boutant, là, ça devrait coller. Bon, là, je caricature, mais on ne sait pas aujourd'hui comment ils ont pu réaliser des choses avec autant de savoir, autant de génie, pour que mettre l'arc-boutant à telle hauteur, boum, ça corresponde, et que c'était là qu'il fallait le mettre et pas plus bas. Ça, c'est des choses qu'on trouve admirables. Et Notre-Dame de Paris a été un vecteur d'architecture incroyable, parce que, notamment pour ses arcs-boutants. Notre-Dame de Paris n'est pas que le premier édifice. Voir, oui. Notre-Dame n'est pas le premier édifice à avoir des arcs-boutants. C'est Saint-Germain-des-Prés. Donc vous voyez qui est juste à côté, trois pâtés de maison plus loin, vous avez Saint-Germain-des-Prés, où on a eu les premiers arcs-boutants. Et Notre-Dame les a développés de telle manière que l'arc-boutant est devenu un élément structurel important. Après, il y a des grands débats à Notre-Dame, savoir si les arcs-boutants ont été conçus au départ ou pas, etc. Moi, je suis convaincu que oui, mais voilà. Et donc, de Notre-Dame, après, vous allez avoir d'autres édifices qui vont dans la succession des cathédrales, et puis ça va se terminer avec Beauvais, avec une gigantesque catastrophe, avec l'effondrement des voûtes, qui, elle, là, on est à 35. Là-bas, ils étaient à 48,20 m. Ils sont toujours à quelle époque l'effondrement ? À l'effondrement, je crois que c'était vers 1400 quelque chose, ou 1300 quelque chose, je ne sais plus exactement, mais toujours est-il que ça marquait un coup d'arrêt, on s'est calmé. Et puis après, donc grosso modo, la plus grande cathédrale complète qu'on ait, c'est Amiens, qui a la plus grande surface, la plus grande hauteur de voûte, 42 mètres. Beauvais, elle est 48,20 m, d'accord, mais il n'y a pas la nef, parce qu'ils n'ont plus d'argent pour terminer. Puis on en a eu un peu assez de faire tout ça, et puis il y avait besoin d'argent, il n'y avait plus d'argent à cette époque-là, donc progressivement. Puis Notre-Dame est très célèbre, mais il faut préciser, ce n'est pas la plus ancienne, pas la plus grande de France. Non. On ne dira pas, pas la plus belle, mais la plus illustre. Non, si, bien sûr que c'est la plus belle. Bah alors, non, c'est la plus belle, mais pour moi, bon, mais c'est surtout symboliquement. Elle est très importante. Alors, vous avez trois cathédrales importantes symboliquement dans l'histoire de France. Vous avez la basilique de Saint-Denis qui est importante parce que c'est là où on enterrait les rois de France.
Donc c'est aussi une cathédrale. Aujourd'hui c'est une cathédrale, mais à l'époque c'était une église abbatiale dans laquelle on a enterré tous les rois de France avec leurs mausolées, leurs corps, etc. C'était pour leur mort, mais avant leur sacre, c'était à la cathédrale de Reims. Donc ça, ce sont deux symboles importants, la cathédrale du sacre, c'est Reims. Notre-Dame de Paris, c'est pas une cathédrale de sacre, c'est pas une cathédrale de... Bon, c'est une cathédrale où on inhumait pas mal, c'est une cathédrale où on avait fait beaucoup de tédéums, notamment à l'époque des guerres de Louis XIV. Et puis, symboliquement, bah, c'est là que le 11 novembre, il y a eu un tédéum, c'est là que à la fin de la guerre de 40, la libération de Paris, le général de Gaulle est venu ici, et, les fusils ont claqué sous les voûtes, enfin vraiment c'était... Donc ça reste, Notre-Dame de Paris est un lieu de... Quand il y a eu les attentats récemment, une messe a été organisée à la cathédrale, ici donc, et il y avait des personnalités importantes qui sont venues... dans cette cathédrale. Et en fait, c'était Notre-Dame de Paris qui exprimait, pour la France, enfin pour ceux qui y croient. Donc symboliquement, c'est un édifice aussi très très important. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que nous sommes dans la charpente, sous la charpente, de Notre-Dame de Paris, qu'on peut nommer simplement Notre-Dame, hein, puisqu'on vient de dire, elle est très célèbre. Je vous propose qu'on continue la visite, parce qu'on a encore quelques... Quelque chose à voir. Escaliers, portes à passer, peut-être juste jeter un coup d'œil. Ça, ah oui. C'est quand même important. Oui, vous avez là une horloge, qui est donc l'horloge de la cathédrale, qui date également toujours de Viollet-le-Duc. Il y a une petite plaque d'ailleurs qui mentionne son nom et le constructeur de cette machinerie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une machinerie, mais qu'il y a quatre horloges, qu'elle est liée en même temps à des cloches qui sont situées dans la flèche, parce qu'il y a les cloches dont on parlait tout à l'heure dans les tours, mais il y a également des cloches dans la flèche, et il y en a même en dessous de nos pieds. Et en fait, par un système de tringles qui passe dans la charpente, vous avez des bras, des axes qui tournent, et puis hop, et ça arrive de chaque côté, vous avez ben, les aiguilles qui tournent, et ça marche très bien. Et ça date depuis 1850. Là, pour chaque partie, que ce soit la charpente, les cloches, l'horloge, il y a à chaque fois des spécialistes des monuments historiques. Alors non, la personne, il y a un horloger à Notre-Dame qui vient régulièrement remonter tout ça. Elle est entretenue. Alors elle doit être classée, ça c'est sûr, mais justement c'est pas le bricoleur du coin qui vient. Voilà. Alors là, faut faire attention parce qu'on commence à faut faire attention. Alors, à force de dire de faire attention, je vais finir par me casser la figure, mais bon, ça va, je suis arrivé sain et sauf. Alors, nous sommes toujours en direct de Notre-Dame avec l'architecte en chef des monuments historiques, Philippe Villeneuve. N'hésitez pas à poser vos questions. Et voilà. J'en ai justement une qui est de Daniel Georges qui demande, la charpente est-elle en châtaignier ? Non, elle est en chêne. Tout est en chêne. Le châtaignier, c'est vrai que c'est bien. Par exemple, au donjon de Vincennes, on a utilisé le châtaignier pour couvrir les voûtes. Oui. Comme on a un petit trajet. Pour non seulement chauffer un peu, c'est-à-dire que ça permettait de calfeutrer les voûtes et donc de réchauffer un peu tout ça. Mais surtout, c'est parce que comme c'était placé à une telle hauteur, pour aller épousseter, c'était un peu pénible, et le châtaignier a la vertu de chasser les araignées et tous ces trucs-là. Donc dès que vous avez du châtaignier, dès que vous avez du bois et qu'il n'y a pas de toile d'araignée, généralement, c'est du châtaignier. Mais là, non, là, c'est du bon chêne. Et les poutres sont très bien conservées. Oui, oui. Il faut quoi pour ça? De l'humidité? En fait, elle est ventilée de partout. C'est-à-dire qu'en fait, au pied de la charpente, il y a des petites ouvertures qui permettent de ventiler. Et je vérifie où on est parce que je ne voudrais pas vous ouvrir. Est-ce qu'on s'arrête ici? Je ne sais plus si c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Parce qu'à chaque fois, je me trompe. Voilà, c'est bon. De quelle forêt proviennent les arbres? De quelle forêt? De tout ce qu'il y avait autour de Paris, parce que l'évêché de Paris était très riche. Donc ils avaient des tas de forêts, des tas de domaines, donc ils avaient juste à piocher par là. Et l'avantage aussi, c'était que c'était livré directement par flottage par la Seine. Et c'était avantageux aussi parce que le bois, comme ça, il était trempé dans l'eau et donc ça nettoyait un peu le tanin. Mais ils les avaient stockés bien avant. Hein. C'est un projet qui est prémédité avant. C'est pas tout d'un coup l'évêque se lève pas le matin en disant je construis une cathédrale et tout d'un coup on ramène les cailloux, les pierres. Ça met beaucoup beaucoup de temps à s'entretenir, à se préparer, dont les charpentes. Alors là vous pouvez voir que nous sommes sur une autre partie des toits. Le soleil
je vais dire, se lèvent. Mais, ouais, là, vous avez de la chance, il y a un petit rayon. Nous accompagne, donc... Alors là, vous avez, en vue, fait, voilà, vous avez la vue la plus... Bon, inédite, parce que vous êtes sur les toits, donc c'est pas donné à tout le monde, mais c'est surtout la prouesse technique. Et vraiment, ce qui caractérise cette cathédrale, ce sont ces arcs boutants à une seule volée, qui ont plus de 15 mètres de portée, qui sont extrêmement fins, mais qui sont redoutablement efficaces. Donc c'est là, ce dont je parlais tout à l'heure, de se dire qu'ils auraient pu mettre l'arc-boutant plus bas, plus haut, etc. Non, ils sont placés exactement là où il faut, parce qu'on a refait des calculs, des dessins, des épures, des petites recherches là-dessus, et on se rend compte que les poussées des voûtes sont correctement contrebutées par l'arc-boutant. Donc pour expliquer ça très simplement, on va dire l'architecture gothique pour les nuls, comment ça fonctionne un arc-boutant? Alors... vous avez une voûte. Alors une voûte, c'est... Bon, vous prenez un demi-cercle. Vous êtes là. Ah ben voilà. Alors vous prenez un demi-cercle. Bon, et le gothique, sa vertu, c'est de faire ça. Mais si vous appuyez au sommet de mes doigts, vous allez avoir tendance à faire ça. Et donc, en fait, ça pousse sur le côté. Donc si ça pousse comme ça, évidemment, la voûte va finir par s'effondrer et les murs lâcher. Donc en fait, il y a une très grande poussée qui s'exerce sur ces murs-là. Donc ça veut dire que ce mur-là, pour éviter qu'il se déverse, il faut lui mettre des quilles. Et au lieu de mettre des quilles en bois ou de mettre des gros contreforts qui seraient très lourds, qui seraient très chers et qui cacheraient la lumière, finalement on ne met pas un mur, mais on applique une sorte de d'étai permanent en pierre qui vient buter à l'endroit où se retrouve le maximum de poussée de la voûte. C'est-à-dire que si on le met trop haut, ça sert à rien, la voûte continuera de pousser sur le mur. Si on le met trop bas, ça sert à rien parce que ça va pousser au contraire. Tandis que là, il y a un juste équilibre entre la poussée de la voûte et la poussée de l'arc. Parce que l'arc boutant, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas quelque chose qui est là pour recevoir la poussée de la voûte et puis la retransmettre dans les culées. C'est vrai en partie, mais le propre poids de l'arc boutant, il vient aussi équilibrer. Et en fait, si je vous dis tout ça, c'est parce que c'est l'architecture gothique, c'est une architecture nerveuse, vivante, de structure très dynamique. Contrairement à l'architecture romane, qui est une architecture beaucoup plus massive. Là, on est sur quelque chose, il y a une poussée qui passe, tac, tac, tac. Et alors, le fait d'avoir un arc boutant et d'avoir les voûtes qui sont disposées de cette manière-là, ça vous permet d'avoir des grandes ouvertures. Et justement, on parlait tout à l'heure, on le verra peut-être mieux à l'intérieur parce que ça sera plus joli, mais là, vous avez une différence entre cette travée-là, qui est là, avec une baie au-dessus et un oculus en dessous, et puis les baies qui sont ici, où vous avez deux lancettes et un oculus. Et donc du coup, là vous avez les origines de la cathédrale, elle était comme ça, et au XIIIe siècle, elles ont été allongées. Mais ça, on verra ça tout à l'heure, c'est Viollet-le-Duc qui a restitué les dispositions de la cathédrale telle qu'elle était à l'origine. Sauf que là, ça va pas parce qu'il y avait une toiture qui était devant ces oculus. Mais on verra ça tout à l'heure de l'intérieur. La pierre, j'ai lu que les premières pierres viennent du 5e arrondissement. Oui, ça vient d'ici. Il y avait une carrière. En fait, tout Paris est un gruyère, en fait. Pour ça, les catacombes, tous ces machins-là, sont dans les anciennes carrières de Paris. Ça va jusqu'à Montmartre. Tout ça, Montmartre de ce côté-là, et puis même Sainte-Geneviève. Toutes les pierres d'origine ont été prise autour de Paris. Alors après, plus ça va, plus on va loin. Là, la pierre qu'on va utiliser pour les prochaines restaurations, les prochains travaux qu'on va faire, j'ai été la chercher à la Croix-Huard. C'est dur à dire, mais bon, c'est à côté de Soissons, pareil. Et c'est une pierre que j'ai choisie, alors évidemment avec... Alors c'est quoi comme pierre, justement? Alors c'est une pierre pareille, coquillère, avec des petits vestiges de coquillage, qui doit avoir la même porosité, la même dureté, la même qualité, même de couleur, parce que j'attacherai une grande importance à la teinte des pierres, parce qu'il faut pas que la pierre que je vais changer se voit comme le nez au milieu de la figure. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. On a justement une question d'un internaute, Villantaine, qui nous demande quelles ont été les pathologies présentes sur la cathédrale. On parle carrément de pathologie. Eh ben, mais je pense qu'on est au bon endroit pour en parler. C'est le bon mot. En fait, il y a quelques mois, en fait, on m'a demandé de faire une analyse particulière sur cette travée-là. C'est-à-dire cet arc-boutant-là, depuis le bas jusqu'en haut. Et donc, on a mis un échafaudage de partout. Et là, vous voyez, l'état des pierres qu'on voit sur le côté de l'arc-boutant, là, complètement préoccupant.
Tout est à moitié bouffé. Alors, il faut savoir que la pierre qui est bouffée là, c'est la même pierre qui est de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul parement. On n'a pas un parement là et du remplissage au milieu. C'est vraiment la pierre. Donc, quand on voit l'état de ces pierres-là et quand on sait que ces pierres-là ont une grande responsabilité dans la structure, on peut s'inquiéter un petit peu. Et donc, du coup, on a procédé à des tas de tests, de nettoyage, de purge de sel. Et puis, on a essayé ensuite des ragréages pour essayer. Alors, les ragréages, c'est quoi? C'est des mortiers qui ressemblent à de la pierre, mais qui n'en est pas. Et puis, surtout, on a fait des analyses dans les joints. Parce que quand on regarde bien cette maçonnerie, vous voyez qu'il y a des pierres qui sont en bon état. Puis, à côté, vous en avez une qui est complètement bouffée. Alors, on se demande pourquoi. Et certes, elle est altérée. Elle est peut-être médiévale, et puis etc. Mais en fait, il y a eu plusieurs phénomènes qui ont fait que la cathédrale est en train de partir en morceaux. C'est, vous avez déjà, au 19e siècle, on a remplacé pas mal de pierres. Et il faut... Quand tout à l'heure, je vous disais que j'étais content, j'avais trouvé une pierre qui s'adaptait bien à ce qui existait. Eh bien, eux, ils ont été choisir des pierres qui n'étaient peut-être pas forcément compatibles avec les pierres voisines. Si vous mettez une pierre qui est trop dure à côté d'une pierre qui est poreuse, c'est la pierre poreuse qui va, tout bouffer l'eau et qui va ensuite se désintégrer beaucoup plus que les autres. Et puis et vous là, avez les ensuite carottage. Et je vais y venir. Et puis après vous avez les joints. Alors les joints, on s'est aperçu quand j'ai fait faire des analyses, eh bien que les joints faits par Viollet-le-Duc portaient en eux. La source des dégradations qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'on dit, oui, c'est la pollution, etc. Oui, la pollution, elle a un rôle, elle met des sulfates partout, elle met tout ce qu'on veut, des chlorures, etc. Mais là, on a en fait le mortier qui a été mis, c'est de la chaux et du plâtre. Alors, et puis du sable. Mais chaux et plâtre, ça fait très mauvais ménage, surtout quand il y a de l'eau. Alors, ce qui s'est produit, c'est que la flotte est rentrée, et puis tout ça, ça a cristallisé, ça a provoqué donc des cristaux qui ont fait progressivement éclater la pierre, enfin qui l'ont rongée. Ça a rendu la pierre pulvérulente. Donc c'est ce qui donne ces pierres là, qui vous mettez le doigt dessus, regardez, ça va être affreux. Là, vous allez croire que je massacre Notre-Dame, mais en fait, voyez, ça part en poudre, là, voilà, c'est comme ça. Et en fait, quand on regarde, encore là, ça va à peu près, et en fait, on s'aperçoit que les joints, eux, ici, sont très durs aussi. Parce que non seulement il y a eu ces joints-là, puis après, on a mis du ciment, puis après, on a mis des mortiers bâtards, c'est-à-dire de la chaux et du ciment, puis on a mis un petit peu tout ce qu'on veut. Et en fait, le résultat de ces analyses-là font que mon programme de restauration, ça sera un truc écolo-compatible. je rigole, mais c'est-à-dire que je ne mettrai pas de produits chimiques, ça ne sert à rien. Il faut revenir à des choses simples, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir que je purge les joints très profondément pour essayer de sortir toutes les saletés et puis de remettre de la chaux, du sable et basta. Et là, les travaux vont durer combien de temps? Oh bah là, on va commencer là, on va finir là, je serai peut-être mort, hein, j'en sais rien, mais y a du mécénat qui se met en route, on est en train de récupérer un petit peu des sous, on est en train de programmer tout ça. Évidemment, moi, l'idée, ça fait beaucoup, restaurer le cœur avant de partir à la retraite. On a Alexandre qui nous demande si l'état de la cathédrale est inquiétant. Ben, y a qu'à regarder, oui, il y a des éléments inquiétants. Alors, structurellement, ça va encore, il n'y a pas de catastrophe, mais il est temps, effectivement, d'agir. Parce que, là, vous voyez, le petit caillou qui est là, juste là, c'est pas grand-chose, hein, c'est juste un élément décoratif, vous me direz, c'est pas grave, c'est que du décor, c'est pas grave. Mais regardez déjà, cet élément-là, il est déjà un peu comme ça. Quand vous regardez la zone ici, vous voyez, c'est complètement bouffé. Donc, et puis ça fait le tour. Donc, un jour, ce truc-là va finir par... tomber, basculer. Quand il va tomber, il va péter un arc-bouton, il va crever la couverture, et puis on ne sait jamais, il va peut-être tomber. C'est ce qui s'est passé en 99. Il y a eu 3 culées d'arc-bouton qui ont été mis à bas par la tempête, qui ont failli crever les voûtes. Heureusement, il n'y a pas eu ça, mais ça a provoqué pas mal de dégâts. Donc il faut faire un peu attention, vous voyez, tous les décors. De toute façon, c'est aussi de la dentelle. Alors, il y a de la grosse structure qui est là, vous avez les pierres qui sont toutes bouffées, comme je vous ai expliqué, et puis il y a d'autres éléments. Ça, ce machin-là, c'était pas une espèce de truc informe, c'était quelque chose qui ressemblait à ça, à l'origine, ou à ça. Là, si un arc-bouton s'effondre, la cathédrale est en danger, ou il en faut combien pour la fragiliser? Un arc-bouton qui s'effondre, c'est d'abord, c'est mauvais signe, mais c'est il faut immédiatement agir, parce que l'édifice, ça fait 800 ans qu'il a... qu'il a ses petites cales comme ça, donc il a pris ses habitudes. Si tout d'un coup vous enlevez ça, il va y avoir un risque de... Je dis pas que ça va tomber la semaine suivante, ça peut tomber juste après, hein, mais ça dépend aussi
quel arc-bouton tomberait. Parce que là, on a des voûtes spéciales à Notre-Dame. Ils n'ont pas tous le même rôle et ils n'appliquent pas au même endroit. Mais bon, c'est sûr que dès que, si jamais ça arrivait, il faudrait immédiatement mettre des étais, alors en bois, cette fois, pour remplacer l'arc-bouton complètement à neuf. J'espère pas. Alors là, on voit la Seine. Hein. Vous avez pu voir cette magnifique vue. On se situe où par rapport à la cathédrale? Eh bien là, vous êtes pile poil dans l'axe. C'est-à-dire que là, vous êtes ici, c'est l'axe de la cathédrale. C'est-à-dire qu'on a là la baie qu'on voit quand on arrive depuis le portail. C'est la baie qu'on voit au fond, donc on est juste derrière. Et nous, de ce côté-là, en face de nous, on a la rosace ouest, qui est absolument un chef-d'œuvre, sous lesquelles se trouvent les grandes orgues. Donc c'est ce qu'on va voir d'ailleurs quand on va passer en dessous, vous les reverrez. On a beaucoup de questions sur la restauration. On va y répondre en avançant parce qu'on a encore pas mal de choses à voir. Dan nous demande, le travail de restauration ne doit-il pas justement se voir comme le nez au milieu de la figure? Non. Pour permettre d'avoir une lisibilité de l'historique du monument? Alors, à ça je répondrai. Il y a effectivement des doctrines, des chartes, style la charte de Venise, etc., qui tient ce discours-là, qui est effectivement quelque chose de respectable. Seulement, on arrive parfois avec ce genre d'application vraiment stricte de ces doctrines. Moi, je dis toujours, les doctrines, il faut les connaître toutes. Il faut piocher à droite, à gauche des éléments de la doctrine et puis éventuellement s'en faire une. Et puis, chaque édifice est très particulier. Donc, appliquer une doctrine sur un édifice, ça marchera peut-être, mais ça marchera peut-être pas du tout sur un autre. Donc, il faut beaucoup se méfier de la doctrine. C'est aussi, chaque édifice a sa vie, a sa pierre, a son matériau, sa mise en œuvre, son histoire. Donc, le nez au milieu de la figure, c'est quand même très dangereux. Et en même temps, il faut faire aussi attention. Moi, il y a un truc, en tout cas, j'y fais attention. Je considère que le monument qu'on a, par essence, il est beau. Donc mon rôle, ça consiste pas à satisfaire les scientifiques ou des gens qui vont se dire « Ah là, au moins, on se fait pas avoir, le chapiteau qu'on voit, on sait qu'il est faux. » Mais je dois aussi maintenir la continuité dans la beauté. Je dois aussi susciter l'émotion. Donc faut beaucoup se méfier du nez au milieu de la figure. Bon, maintenant c'est moi qui tiens ce discours-là. D'autres architectes en chef tiendront peut-être un discours, mais je pense pas qu'il y en aurait qui tiendraient un discours diamétralement opposé à celui que je tiens. Mais faut faire un petit peu attention. Parce que c'est vrai que c'est très désagréable d'avoir un monument où on voit telle pierre, celle-là elle est neuve, celle-là elle est neuve. À la fin, on a quelque chose de pas fabuleux. On peut préciser, vous êtes aussi l'architecte en chef du château de Chambord, notamment. Oui, oui. Et ben, par exemple, au château de Chambord, on n'imagine pas que je vais mettre un chapiteau ou un cube dans les lucarnes des toitures. Ce que je vais faire, c'est que soit je vais faire une copie, soit je vais faire quelque chose dans le style de. Et de toute façon, il ne faut pas oublier que contrairement au 19... Enfin, pas contrairement, parce que le 19e siècle a ce qu'on appelle des attachements figurés. Les attachements figurés, c'est on prend le plan, puis on note, on met en rose, ça c'est une pierre neuve, ça c'est une pierre vieille, etc. On a déjà ces traces-là. Et nous, dans notre métier d'architecte en chef, on doit également documenter le monument. Si bien qu'il y a des documents, des plans, des avant des, vous, il y a eu où on voit, oui, bien des sûr. Dizaines, des centaines d'architectes en chef. Entre Viollet-le-Duc et moi, on doit être une quinzaine. Donc, vous voyez, qui se souvient de ceux du milieu, qui se souviendra de moi après, de toute façon, donc ça, on s'en fout. Mais l'idée, c'est surtout de transmettre. L'idée de transmettre et le monument, mais de transmettre ce qui a été fait sur le monument pour que celui qui arrive après sache, bon, on en est où, qu'est-ce qu'on a fait. Et puis c'est intéressant justement pour certains scientifiques de savoir que tel mortier a été utilisé à tel endroit, qu'on a fait telle chose à tel moment. Ça, on le transmet. Mais c'est pas une raison pour aller ensuite le placarder plein les murs. On reste discret. Faut rester discret. Une belle restauration, une restauration réussie et de mon point de vue une restauration qui se voit pas. Se faire engueuler en croyant que par les gens qui croient qu'on n'a rien foutu alors qu'on a tout fait, c'est parfois une grande satisfaction. Le travail le plus discret est finalement le plus réussi. Il faut s'effacer devant le monument. Donc. Alors je rappelle que nous sommes en direct sur, en ce moment, le toit de la cathédrale Notre-Dame de Paris avec l'architecte en chef des monuments historiques. N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions. On va rentrer à l'intérieur du bâtiment. Pardon ? Ah, ok, on vient de me signaler qu'il reste peu de batterie. On a été très bavard. Alors on va courir. Posez donc vos questions. Ça peut être sur le bâtiment. La restauration a l'air de passionner tout le monde. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion
d'apprendre des choses aussi précises, hein, parce que c'est assez technique finalement. Donc là, on rentre dans la cathédrale. Ah bah je vais fermer ça. Ah bah faut bien au moins que je... Ah bah alors. Il y a combien de portes comme ça? Alors ça, j'ai pas compté. J'ai autre chose à faire à Notre-Dame que de compter les portes. Donc la messe vient de se terminer. Il y a encore une demi-heure, il y avait beaucoup de monde. Je ferme pas, peut-être. Pour cet événement spécial, on entend encore je sais quelqu'un. Pas. Bon, je laisse ouvert. On ferme derrière nous. Voilà, alors là vous êtes. Alors là nous sommes. Au cœur de la cathédrale, même dans le cœur. Vous voyez, la vue est magnifique. Hein. Alors cet endroit, on peut peut-être tout de suite préciser que nous sommes vraiment dans un endroit qui n'est pas ouvert au public pour le coup et qui n'a jamais été vraiment un lieu d'accueil. C'était pas fait pour. C'était structurellement, c'était un élément, ce qu'on appelle les tribunes. C'était un élément qui contribuait à stabiliser les hautes voûtes de la nef. Et donc, c'est un petit peu, si vous voulez, toujours une espèce de filiation. Les églises romanes, elles avaient un vaisseau comme ça, puis elles avaient des tribunes qui étaient adossées. Bon, ben là, on a gardé la tradition de la voûte haute, des tribunes qui viennent s'adosser, auxquelles on a rajouté les arcs-boutants. Et ces tribunes-là, alors, dans certaines églises, on mettait des autels, on mettait des choses comme ça. On n'a pas de traces ou de preuves que ces tribunes-là aient été utilisées pour le clergé. Il y avait déjà toutes les chapelles à rez-de-chaussée, enfin tout autour du chœur, vous voyez, entre les contreforts, il y avait les chanoines qui étaient à l'intérieur du chœur, donc il y avait ce qu'il fallait. Et ça, par contre, c'était ouvert au public lorsqu'il y avait des grandes cérémonies dont je parlais tout à l'heure. Le sacre de Napoléon Ier s'est déroulé à la cathédrale de Paris. D'ailleurs, ça permet de rajouter facilement une centaine de personnes en plus. Ça vous doublait pas le nombre de personnes, mais enfin, ça donnait des choses. Et là, vous voyez, là, vous êtes en train de voir le fameux pavage de marbre de l'époque de Louis XIV. Et vous avez la statue dans le cœur de Louis XIII qui présente sa couronne à la Vierge qui est là. Et celle qu'on voit pas là, mais qu'on verra tout à l'heure, c'est celle de Louis XIV qui fait un signe d'acquiescement en disant je réalise le vœu de mon père Louis XIII. Et donc tout le sol en marqueterie de marbre date donc de l'époque de cette époque-là, ainsi que toutes les stalles qui sont là, c'est également de l'époque de Louis XIV. Et est-ce que toutes les cathédrales ou églises ont un espace identique à celui-là? Non, parce que justement l'architecture gothique a évolué. Ça fait partie d'un archaïsme. Et ce qui est très marrant à Notre-Dame de Paris, c'est que le parti d'origine de la cathédrale, c'était des arcades qui reposent sur des colonnes cylindriques avec des énormes chapiteaux qu'on voit là. Et ça date de 1163, cette conception-là. Mais en fait, on l'a poursuivi jusqu'à la façade ouest. Ce qui est marrant, c'est qu'en 150 ans ou 120 ans d'histoire de cette cathédrale, bah le parti restait le même, alors qu'à l'époque, on inventait des tas de choses tous les quatre matins. Mais là, on est resté fidèle, même au système de voûtement, qui est un voûtement sexpartite ici. Alors sexpartite, ça veut dire... C'est parce qu'on prend la voûte, et en fait, vous la divisez avec... vous avez deux arcs perpendiculaires au mur, et un troisième au milieu, puis vous avez la diagonale, et ça vous définit si... C'est ce qu'on voit. Non, ça, c'est... Ça, alors, ça, c'est encore spécial, c'est un chef-d'œuvre de Notre-Dame. Et les voûtes qui sont là, donc... En fait, vous voyez, elles sont divisées en six parties. Donc, c'est sexpartite. Les autres, c'est des voûtes à croisées d'ogives, toutes simples. Mais là, on est dans un système de voûtement qui est absolument génial à Notre-Dame. C'est que là, vous avez des portions triangulaires. Et là, c'est le génie de l'architecte de Notre-Dame du départ, c'est d'avoir voûté ça comme ça, parce que bon, c'est trop compliqué aujourd'hui de l'expliquer si on n'a pas un petit plan, un petit quelque chose pour expliquer. Mais le système de voûtement ici, alors unique au monde, est absolument génial. Là, dans la partie tournante de la cathédrale. D'accord. Et ça, le public ne peut pas le voir, hélas. Alors, c'est parce que les voûtes qui sont là, c'est les mêmes que celles qui sont en dessous. Donc, quand on est dans l'ambulatoire, on les voit. Donc, quand vous venez à l'arrière du chœur, le public donc, peut lever la tête et voir. Quand vous êtes en dessous, vous voyez les mêmes voûtes. Tout à fait. Alors, on nous demande justement, tous ces lieux, y compris le toit, n'est jamais accessible au public. Non, non. C'est pas possible pour des questions de sécurité, notamment. Bien sûr. Question de sécurité, de risque d'incendie, puis d'ouverture, et puis de surveillance, et tout ça. C'est quelque chose qui n'est même pas envisageable. Mais il n'y a pas qu'à Notre-Dame, d'ailleurs. Hein.
tous les édifices comme ça ont toujours leur petit jardin secret. Alors c'est vrai qu'on est dans une époque où on aime bien montrer les dessous de tout et de n'importe quoi, mais là, bah, y a des choses qu'on peut pas... C'est pour ça que c'est justement, assez exceptionnel vous voilà aujourd'hui. Avec vous, c'est une occasion de pouvoir faire voir ces merveilles. Donc là, on a la vue, là on est pile au centre. Là vous êtes, donc centre, ce dont je vous parlais tout à l'heure, quand on était dans l'axe de la cathédrale à l'extérieur, mais en face, dans l'axe, vous avez la Rosas Ouest. Combien de mètres de long ? Grosso modo, 130 mètres. 127 mètres, je crois, de long. Et donc 35 mètres la plus haute voûte, 12 mètres 50 de large au niveau de la nef. Et en face, vous avez la Rosas Ouest qui, elle, à l'époque où elle a été construite, qui fait 9 mètres 50 à peu près, ou 9 mètres 90, était la plus grande jamais construite. Vous voyez la petite chose qui est au fond là-bas. Je dis la petite chose parce qu'on a beaucoup plus grand de chaque côté des transepts. On va passer tout près, d'ailleurs. On va la voir. Et donc là, pareil, celles-ci font dans les 12 mètres ou 13 mètres de diamètre, ce qui était là également le record. Notre-Dame de Paris était la cathédrale des records au début, il faut savoir. C'était le plus vaste édifice de la chrétienté au moment où elle était construite. En 1163. Oui. Donc ça, elle n'était pas encore finie. Non, là, on posait la première pierre. Deux siècles plus tard, oui, en gros. Oui, à peu près, voilà. C'était le monument donc le plus important. À quelle échelle ? En surface, parce que Paris était l'une des plus grandes villes d'Europe, et puis la cathédrale de Paris, c'était là où résidait le roi de France, puisqu'il était en face, au palais de la Cité. Et donc, on devait avoir un statut plus important. Et ce qui est bizarre, c'est que Notre-Dame n'était qu'un évêché, et l'évêque de Paris dépendait de l'archevêque de Sens. Donc en fait, c'était Sens qui donnait ses ordres à Paris. Et comme par hasard, la cathédrale de Sens est antérieure à la cathédrale de Paris. D'accord. Vous voyez, et l'archevêché, enfin, Paris est devenu archevêché beaucoup plus tard, je ne sais plus exactement quelle date, mais ça a donné encore plus de moyens au clergé. Alors là, on a un truc intéressant, c'est que dans les transepts, en fait, on voit les anciennes dispositions de la cathédrale, donc telle qu'elle était construite à l'origine, avec des arcades, une tribune, des rosaces qui sont faites, des triforiums et ensuite des baies. Et puis au XIIIe siècle, comme on ne voyait pas clair, parce que vous voyez, c'est bon, et du coup, on a réuni ça avec la petite rose, on a fait une seule baie, donc ça permettait d'éclairer beaucoup plus la cathédrale. Alors Josépha va pouvoir nous montrer. Je fais vite parce que comme vous n'avez plus de batterie, hein, Et j'en avais tellement d'autres donc, encore à vous montrer. Ce que vous venez d'expliquer, c'est donc ce qu'on voit là. C'est, oui, voilà. Les trois... En fait, si on compare cette travée avec cette travée-là, en fait... Alors, on oublie que la rosace, on oublie les vitraux de cette petite rose-là. On l'imagine noire comme celles qui sont dans la nef. Et donc, on a les dispositions de la cathédrale telles qu'elle était à l'origine, à quatre niveaux, telles que le gothique se faisait à l'origine. C'est-à-dire, vous avez les arcades en bas, vous avez les tribunes à l'étage au-dessus, surmontées de ce qu'on appelait un triforium. Mais pas encore vraiment un triforium là, mais enfin au moins c'était des combles qui étaient ventilés par ça, et puis d'une baie. Vous voyez la dimension de la baie haute, elle est réduite, elle est très haute, donc tout de suite on s'est plaint de la lumière à la cathédrale. Or le gothique, ce qui caractérise cette architecture, c'est quand même la quête de la lumière le plus possible. Si bien qu'au XIIIe siècle, on a décidé de réunir ces deux éléments-là en une seule, et c'est comme ça qu'on a eu les fameuses baies avec un oculus au sommet et deux lancettes. Et ça a été remis sur toute la cathédrale. Et Viollet-le-Duc, lui, a trouvé quelques vestiges de ces dispositions-là. Il a dit, tiens, je vais restituer ça. Donc ça, voilà, ça, c'est le résultat de... Alors, j'ai justement une question d'un internaute qui me demande, les vitraux sont-ils d'origine ? Non. Et dans quel état sont-ils ? Alors, ça dépend desquels ? À Notre-Dame, les seuls véritables vitraux médiévaux, qui sont du XIIIe siècle et puis du XIVe et XVe, sont dans les rosaces. Vous avez la rosace sud, la rosace nord et la rosace ouest, qui donc datent de cette époque-là. Puis vous avez, donc vous voyez, tout ce que vous avez là, c'est en majeure partie médiéval. Tout ce qui est en dessous, la galerie, est de Viollet-le-Duc. C'est Viollet-le-Duc qui les a fait. Et puis ensuite, vous avez deux petits médaillons très rigolos dans le déambulatoire, où vous avez un Adam et Ève qui sont dans un petit oculus. Et puis vous avez un autre vitrail qui montre un boucher, je crois que c'est la confrérie des bouchers, je crois. Donc on voit un bœuf. Il y a des vitraux qui sont encore remplacés, petits, plus contemporains. Et alors ensuite, Viollet-le-Duc, donc les chanoines, qui se plaignaient de ne pas voir clair dans leur cathédrale, ont brisé au XVIIIe siècle, c'est pour ça que je dis ça en rigolant, c'est le siècle des Lumières sans doute, ils ont brisé tous les vitraux de couleur et ils ont remplacé par du verre blanc.
avec des petites fleurs de lys sur le côté. Donc, on voyait beaucoup plus clair. Et puis, Viollet-le-Duc est arrivé, la Révolution aussi, mais Viollet-le-Duc ensuite est arrivé, et Viollet-le-Duc a restitué la couleur et les vitraux. C'est pour ça que tous les vitraux du chœur, que ce soit les vitraux hauts où vous avez des personnages, ou les petites roses qui sont en bas, ainsi que les vitraux qui sont dans les chapelles, et même dans la nef, toute la vitrerie a été refaite par Viollet-le-Duc, à l'exception des rosaces dont je vous parlais, qui eux, donc, ces vitraux-là, ont été restaurés scrupuleusement au 19e. Voilà. Alors, et ensuite, les derniers vitraux qu'on a mis, c'est dans les années 60. Ceux qui sont dans la nef, où ça, c'est la dernière touche contemporaine. On peut les voir d'ici. Voilà, d'ici, là, vous avez les vitraux. Alors, on va conclure cette visite dans un endroit un peu insolite. Si vous avez le temps, parce que si vous avez encore des piles. Parce que on si est vous loin. Avez plus de piles, si vous avez plus de piles, ça va être un peu dur. Mais on va essayer. Hein. Ah, bah là, vous avez carrément plus de piles. ça va être dur. Hein. Alors, on s'est un peu attardé là. Pardon. Alors là, c'est là que je me fais avoir. Tout ce qu'on a à voir. Il a vraiment les clés de toutes les portes du monument. Là, un grand soleil nous accueille. Donc, au rapide passage à l'extérieur, on peut voir qu'il y a des ruches. Comme sur pas mal de monuments parisiens. Il y a du miel là, de l'œuvre de Notre-Dame. Donc là où nous sommes. Eh ben alors là, vous êtes... Si on regarde la rosace d'en face, qui est la rosace nord, on est au pied de la galerie qui est située en dessous. Donc nous sommes pile dans l'équivalent. Josépha, tu peux nous montrer... La galerie sous la rosace. Voilà, on est dans la galerie sous la rosace. Voilà. C'est un bel endroit pour terminer ce Facebook Live. Merci beaucoup, Philippe, pour cette visite guidée. On aurait encore tant d'autres choses à montrer. On n'a pas pu aller dans le clocher. C'est de l'autre côté. Hein. Ça pourra peut-être donner l'occasion. Revenez quand vous voulez. Hein. Écoutez, je vous ferai visiter d'autres choses avec grand plaisir. Et on peut peut-être juste, pour terminer, dire donc qu'elle fait la rosace, 13 mètres de diamètre. Oui. Et elle date de quelle époque? Pareil, 1240 par là, et c'est l'époque de Saint-Louis. Justement, on faisait la Sainte-Chapelle de l'autre côté. Et à l'époque, c'était la plus grande rose du monde. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette visite. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain Facebook Live.